Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriad. Aujourd'hui, le dé va contrôler la journée. On va voir ce qu'on va manger, ce qu'on va faire pendant la journée. J'espère qu'elle va tomber sur un repas équilibré. Je vous mets la liste des repas ici. C'est parti. Let's go. Ok, on va lancer le dé, les gars. J'espère que ça tombe sur équilibré. Numéro 4. Fast food. Kebab. On va aller chercher le menu au kebab. On va toujours à pied pour prendre nos fast food. C'est notre secret pour pas grossir, comme ça vous allez faire de la dépense et tout. Et il y a un nouveau menu, il s'appelle le Buns. Tu vas réussir à le finir? Je sais pas. Moi je pense que si, parce que t'es une helle. Tu vois, quand j'avais fini un grec entier. Je me souviens que t'as fini un grec entier. On arrive devant le grec là. Pour la première fois de ta vie, c'est toi qui vas commander. Écoute bien ce que tu lui dis. Oui. Je veux un menu Buns, mayo, mayonnaise, ketchup. Ok. Tu veux salade tomate oignon? Pas de salade tomate oignon. Tu prends le dessert de ton choix et tu prends un ayran. Dis ayran. Ayran. C'est un yaourt turc. Elle est un peu stressée la famille. Regardez. Tu prends quoi en dessert en vrai? Tiramisu, ok. Menu buns, il est là. Nouveau sandwich buns. Le ayran, il est dans le frigo. On va voir si elle va réussir. Je vais prendre aussi une bouteille d'eau parce que je vais boire. Une bouteille d'eau? Ça en est comme aujourd'hui, c'est elle la commande. C'est elle qui commande, vas-y, comme une grande. Un menu buns. Sans salade de tomate oignon, avec un ayran et un tiramisu Merci, bah vas-y, paye maintenant. Le monsieur, il a donné un bonbon. Bon, pour la commande, je te mets 8 sur 10. Parce que t'as un peu bégayé. Ça, c'est une sucette turque. Vas-y, goûte pour moi. C'est trop bon, ça le goût de coca. Ouais, les turcs, machallah, ils font des vrais trucs. On va aller chercher sa commande comme une grande. Tu veux quel tiramisu, Myriam? Oreo. Ok, et t'as un ayran aussi, non? A few moments later. Donc là, t'es tombé sur un menu buns. T'en as déjà goûté dans ta vie ou pas? Non. Tu peux ouvrir les yeux. Tout le nouveau menu du grec. Okay, on a donc un menu buns ici, découvre déjà ça, le menu buns. Montre comment c'est. Waouh, c'est un grec en rond. Prends-le pour en fait, buns, c'est le pain qui est rond, ça veut dire. Incroyable. Tu penses qu'il va réussir à manger tout ça? Non, là, je pense que tu peux pas réussir à finir tout ça, je pense pas. Ça, c'est une portion pour les âges. Ça, tu sais quoi, c'est une portion pour les tontons. Tous ceux qui sont tontons, ils mangent ça. Mais ouais, moi, je prends plus de grec, ça y est, je vais prendre que des buns. Comment tu vas réussir à le taper? On a aussi pour la fin un... Ayran. Ayran, un truc de... Ça, c'est la boisson turque qu'on voulait tester, il y a un tiramisu. Et il y a aussi, il y a ça. Vas-y, Myriam, je sais pas comment tu vas faire. Bonne chance à toi, force à toi. Il y a aussi des sauces, mayonnaise, ketchup. Ouais, regardez comment il est balèze. Et tout ça du sur ta... Ouais, je vais prendre ça la prochaine fois. Goûte la viande pour voir si elle est bonne. J'espère le dé, il va pas me... Ouais, c'est le meilleur grec. Istanbul, c'est vraiment la base des bases. Oh, je vais manger du kebab. Vas-y, tape-nous un croc. Je sais pas comment tu vas faire force à toi. Impossible qu'elle finisse. Non, je pense hein. Pas. Toi, t'es malin, toi. Hein. Je vais exprès de prendre des grosses portions, comme ça, toi, tu vas pouvoir les finir. Mais on non, te connaît. Hein. Je peux pas. Je peux encore lancer le dé. Du bismillah. Ouais. C'est chaud. C'est chaud, hein. Pas du bismillah en plus. Elle aurait pu faire la pub. C'est bon, mais c'est chaud. Force à elle, franchement. Du ouais, bois du iron, ça rafraîchit. Les Turcs, ils sont grave fiers de cette boisson. Et à chaque fois que j'envoie au grec, je me dis, je sais pas si je prends. Fais voir, ça se présente comment? Quoi? Fais voir. Ah, skip, c'est grave bon. Ah, bon, voilà, laissez goûter. Hein. Ça a le goût du yaourt de chèvre. Ah ouais? C'est du yaourt de chèvre? Oh, les Turcs, vous aimez trop dire c'est bon, on va tester. S'il vous plaît. C'est pas dégueulasse. Attends. Ça a le goût du skir. Parce que moi je bois du skir, franchement c'est bon hein. Quoi du skir? C'est du yaourt blanc. En mode ça peut pour faire. Le régime. Pour le régime. Vous avez des palais pourris, vous allez pas aimer, mais en fait c'est pas dégueulasse hein. C'est du lait comme salé. Après je suis en sèche, tout ce que je mange, j'aime bien. Là, par contre je commence à m'énerver. Mets de la mayonnaise et du ketchup s'il te plaît. Et mets des frites à l'intérieur et fais un big cro s'il te plaît. C'est la marque de... Des sauces, c'est la marque de fabrique de la côte là. Mais je suis désolé Myriam, je savais pas que ça allait être aussi gros le buns. Donc regardez, on prend une sauce mayonnaise, un midi ricci. Tu sais coûte combien le menu? 7 euros. Tout ça, ça coûte combien? 7,50€. Non. 6€.
Plus. 10 euros. Plus. 14 euros. 11. Je trouve que c'est cher, toi, pour tout ça. Quand on était petit, ça coûtait 4,50 euros un grec. Tu te rappelles oui, pas? Oui, mais là, elle a pris un tiramisu, un ayalan. Ah, mais quand même. Maintenant, les grecs, les gars, ça va être réservé aux riches. Hein. Il y aura que les footballeurs qui vont manger des grecs maintenant. Ça se voit que toi, t'es pas un vrai. La plupart des gens, ils auraient mis à l'intérieur, mais la vraie technique, c'est que tu prends le bœuf, c'est que tu trempes et tu croques. Crème des dents. Ouais. Attends, je prends. Hop, et après, je mets. Merci, merci. Ça, c'est la vraie technique. Et après, tu peux faire un big crow. Non, par contre, sur les crocs, c'est pas évident. Waouh! Elle a fait la moitié. T'es mal, crocs! Elle a tapé la moitié du buns. Wesh! Quoi? T'as quel âge? T'es sûr? T'as pas 18 ans? On va le finir. Mais dommage, ils mettent pas des suppléments. Wesh! Non, t'as pas lancé le dé, t'as pas le droit. Je savais que tu voulais faire ça. Vite fait. Non, t'as pas lancé le dé, t'as pas le droit. Yassine, mais arrête, j'ai pas lancé le dé, pas lancé le dé, t'as pas le droit. Non, arrête, ouais! Arrête, t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas lancé le dé. Tu me fais chier. Je savais, il voulait prendre un gros truc à Myriam, comme ça il finit son truc. Désolé Myriam, mais... T'as vu ce qu'il t'a fait? Comment vous pouvez manger un grec et au milieu du grec vous tapez le sucré? Moi c'est toujours salé et puis sucré après. Elle fait une pause. Elle a pris un tiramisu, goût Oreo. La chance. Ça serait bien que t'aimes pas comme ça, je le finis. Arrête hein. Regardez-moi incroyable le tiramisu. Regardez-moi cette texture. Il a l'air incroyable. Putain, quoi fait ça, c'est mort. Bon, bah, bon appétit. Bon appétit à toi et... Il a dit quoi fait ça, c'est mort. Et allez vous faire un petit peu foutre, un petit peu, juste un peu. On va acheter des cadeaux pour les abonnés, là. Mais par contre, qui va payer entre Younes et moi? Bah toi, t'es le plus petit. Non, 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 t'es un ouf, on va lancer le dé. C'est parti. 3. Non, 2. 3. 4. Je vais vous mettre bien, vous inquiétez pas. Je vous ai pris une souris gamer, un tapis. On va récupérer un casque aussi. Et après, vas-y, on va changer. On va pas prendre que le truc gamer parce que après, vous allez devenir des gros porcs. Je veux dire, c'est de ma faute. Sur des pépites, je suis obligé de prendre. Regardez ce qu'on a. On a soit des lions à la noix de coco, soit des lions au chocolat blanc, ou alors des sneakers au chocolat blanc. On est trois. Maman, elle est pas là-bas. Quoi? Putain, fou toi, non, je prends pas les trois. En vrai, ça et ça. Que pour une personne. Mais non, un des trois. Ça. Je vais rajouter la base Hawaii Tropical. Et on va aussi à la JD pour acheter aussi un maillot. Bon, par contre, c'est toi qui paye, du coup, moi je vais t'attendre dehors. Vas-y, Younes. Moi je vais l'attendre dehors parce que tout le temps il me fait ça. Il fait genre, j'ai un truc à faire et il part. 28 euros, je m'en suis super bien sorti. Mais vas-y, là, je vais agider. Je vais agider. Parce que, quand même, faut vous mettre bien des fois. Bon, là, Younes, il va vous mettre bien. Cette fois-ci, c'est moi qui choisis. Parce que lui, il va dans des magasins de rats, lui. Là, je vais vous mettre bien avec des maillots Nike. Bien. Doucement aussi, s'il te plaît. Fais très doucement. On a soit des maillots comme ça. Maillot Air Max. Soit des maillots comme ça. Je pense qu'ils préfèrent plus des maillots de foot, non? Foot? Je pense foot, c'est plus leur délire. Hein. Regardez, il y a quoi dans les nouveaux maillots? Celui-là? Maillot de Paris. Ouais, celui-là, il est classe. Combien le prix? Le prix, il est classe aussi. Du Wallah. Combien? Attends, je vais te dire. Je vous dis s'il est classe ou pas. Il est même pas affiché, ça veut tout dire. Ça y est, on a trouvé la pépite, les gars. On a trouvé la pépite. Ouais, alors, les gars, après beaucoup de réflexions, on a trouvé. On va vous prendre un ensemble Nike, ça, plus ça. Avec le short, ouais. On a tous les cadeaux pour vous, les abonnés. Je vous le ferai gagner dans une prochaine vidéo. Attention, vous dites que je suis le Père Noël. Moi, je suis pas le Père Noël. Hein. Lancer un dé pour manger, mais pourquoi il part? Viens! Je vais rien faire! Tu fais peur à tout le monde, Younes. Hein. Non, j'ai rien fait. Non, Omar, y'a rien, wesh! Parce que Sofiane, il rigole. Sofiane, il est en train de rigoler. Et du coup, il croit que je vais le prendre. Je vais pas te prendre, c'est rien, viens, c'est en 24 heures. Il court des enfants maintenant. Je sais pas, il fait peur à tout le monde. Viens voir, il court. Viens voir, j'ai pas besoin de frapper, je fais juste ça comme ça. Trois poids, quatre fers, si tu veux, je mange un bar. Ça se trouve toujours dans le tout, des arcs comme ça. Ouais, une et il attend. Regarde, c'est à 24 heures, j'ai un dé dans la main. Mmh. En mode, tu le lances et ça te fait un truc repas équilibré, fast-food, boulangerie, tout ça. Ah, c'est rien. T'as tête, tu fais des bêtises en ce moment? Non. Bah, pourquoi tu cours? Je sais pas. 5. Oh là là, boulangerie. À la boubou. Oh, moi aussi j'ai le droit.
Non, toi t'as pas le droit. Il y a Sofiane, attention, il se réveille. Je peux te demander un truc. Il y a des matériaux, je crois. Est-ce que tu peux te demander un truc? Une bouteille de Badoit. Vas-y, une bouteille de Badoit. Oh là là, c'est un brave. Tu vas prendre quoi? Regarde ça, Omar. Il y a des Nemo poulet. Je crois que tu vas prendre la tiramisu, mais t'as l'air spéculeuse. Ouais, et t'as le droit du salé aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Et j'ai le droit d'en prendre, moi. Non, t'as pas le droit. Et du coup, là, la dernière fois, t'as mangé citrouille, t'as mangé citrouille comme toi. Si j'aurais pu prendre, regardez ce que moi, comme. J'aurais pris un macaron au chocolat, un millefeuille vanille, ça, le flan et le tiramisu. Bah, tu vois, c'est pour ça. Non. Jure, tu sais que t'es le seul qui commence par le sucré et pas par le salé. Par contre, tu parlais quand t'as pris un tiramisu, je voulais t'insulter. Pourquoi ? Avec tout ce qu'il y avait, tu prends ça. Mais parce que j'ai déjà tout testé. C'est dégueulasse, hein. Non. T'aimes bien ? C'est incroyable. Ça, c'est les. Tu vas pouvoir manger l'étiquette quand ça même. Ça se mange, ça ? Oh non. Là là, il allait manger l'étiquette. Peut-être ça se mange. Oh le fou. Jure ? Mmh. À ce point-là. Par-dessus, c'est du Nutella ? Mmh. Ah ouais, j'avoue, ça doit être incroyable. Hein. Bon, maintenant, il va taper la bête. Le casse-dalle. Une grenade. Il a acheté une grenade. Découpille-la. Soit les belles qu'elle explose. Non. Ah, le fou, il a dit Dragovi. Qui a la rêve dans les commentaires? On va voir si c'est qui ont la rêve. Mais voilà, il y a vraiment une goupille. Ouais. Oh là là, il a tué la grenade. Fais pas cul sec, tu vas te tuer. Hein. Oh, le fou. Ouais, c'est de l'acide. Merde, elle s'est pété. T'as pété la grenade. Putain. On est là pour le sandwich, tu vois. Oh là là, sandwich au poulet, les gars. Je vais juste enlever la tomate, tu la veux? T'aimes pas les tomates? Non. Ah bien. Moi, je suis pas trop team tomate, non. Non, c'est marrant, Myriam, elle t'a dépassé, hein, Omar. Myriam, elle a dépassé. Omar, c'est officiel. Elle fait des plus gros croctos. Ah, c'est déjà mieux. Vous avez déjà mangé? Ouais. Je suis parti acheter des. On sait très bien que s'il aurait pas mangé, t'aurais mangé à sa place. Bon, du coup, il est où le dé à mon tour là? Tiens la face. Non, c'est fini, ça y est. Quoi? C'est fini. Hein. Ah, il n'y a pas pour moi. Ça y est. J'ai entamé le tiramisu, il y a du Nutella encore à l'intérieur. Bon, bah les gars, on va vous laisser là alors. Hein. C'est des hypocrites, tu veux pas que je participe. Non, mais c'est vrai, ils ont raison. 8 desserts à la fois, tu te prends pour qui? Tu mérites pas. Oh là 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 là. Tu mérites pas. T'es devenu comme Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Je peux plus en reprendre. Bon allez, nous on vous laisse là, c'est Marécom.